Salut tout le monde, me voilà de retour après beaucoup de mois d'absence sur YouTube. Je m'excuse dans un premier temps de ne vous avoir presque pas tenu au courant des raisons de mon inactivité. Avant de lancer la vidéo, sachez que vous allez avoir en fond un speedart design fait tout simplement sous Adobe XD qui est un logiciel de prototypage. C'est parti. J'ai énormément été pris par mes fins d'études, étant graphiste dans une startup et voulant bien faire ainsi que réussir mon année, YouTube est passé après, ce qui en soi est totalement logique. La deuxième raison est d'un point de vue matériel. Mon PC ayant de gros soucis, je ne pouvais plus bosser avec plaisir dessus, donc sortir une vidéo devenait un truc horrible, alors que de base, j'adore ça. Le moral y était pour beaucoup, entre le stress de mes études, mon alternance, ma famille dont des raisons personnelles, ainsi que des amitiés qui ont mal fini, l'ensemble de ces choses n'ont pas aidé tout simplement au niveau de la motivation. Merci Netflix au passage qui est devenu mon meilleur ami. En plus de ça, beaucoup de remises en question sur mon contenu YouTube. Je pense vraiment me recentrer sur du design pur et dur et non le gaming X. Pour mon retour, la motivation, elle-même justement, est de retour, elle est présente. Mes stress par rapport à mes études dans sa globalité vont mieux, mes soucis familiaux, c'est la vie. Et quant à mes soucis d'un point de vue social et amical, je préfère juste zapper les gens qui ne méritent pas d'être dans ma vie, si je puis le dire. Je souhaite juste mon bonheur, ceux des autres au final, désolé au final, je m'en fous. Les vrais restent, les autres, basta. À l'avenir de la chaîne, on va essayer, ou en tout cas je vais essayer au maximum d'avoir du contenu beaucoup plus professionnel, que ce soit au niveau du visuel, que ce soit aussi au niveau de la voix, etc. Il va y avoir aussi tout simplement des formats de vidéos. Voilà, j'ai vraiment essayé de me focus pour trouver mes bons formats de vidéos de ça, que ce soit des tutos, des speed art, des outils design, des tendances, etc. Évidemment basé sur le design. Alors peut-être une nouveauté aussi qui va arriver, pourquoi pas faire des live streams. Alors ça, je sais pas encore, il faut que je vois si ma machine justement peut suivre. Je pense que oui, mais ça va vérifier. Après au niveau de la connexion, ça y a pas de souci, j'ai la fibre, donc il y a pas de souci. Par contre aussi, ce que j'ai voulu faire, c'est tout simplement développer un Discord dans lequel tout simplement je pourrais parler avec vous si vous avez des questions ou autres. Il n'y aura pas de soucis, ce sera avec plaisir que j'essaierai d'y répondre. Et ça sera une autre façon, tout simplement, de discuter autre que uniquement par exemple, les commentaires YouTube. Et de mon côté, qu'est-ce que j'ai bien? Actuellement, j'ai 22 ans, bientôt sur mes 23 d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo. Je suis en appartement et non en coloc, je suis solo. Et je suis donc étudiant chez Digital Campus, expert en stratégie digitale, spécialisation UX design. Et pour le coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis actuellement aussi en contrat en alternance en tant que graphiste dans une startup. Motivé plus que jamais pour continuer cette aventure, merci aux 620 personnes qui sont sur cette chaîne. Vous vous retrouvez bientôt pour pouvoir échanger en live, Discord ou même encore YouTube, ça va être top. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, c'était Skyde.